Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode de Sir Purin en Vadrouille. Alors comme vous pouvez le constater, je suis dans la cité impériale et... qu'est-ce qu'il veut ? Si vous voulez bien m'excuser, je suis occupé. Ouais, bah j'ai bien vu. T'es occupé à voler des pommes, enfin des tomates. C'est ce que j'ai entendu dire. Bon, arrêtez de tous parler, vous êtes chiants. Oui, comme... Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Enfin, peut-être pas encore, mais j'ai augmenté la qualité des graphismes. Je tente ma chance. Donc j'ai mis les graphismes en élevé, on va voir comment ça se passe. Si ça ne lag pas du tout, je tenterai en très élevé. En espérant qu'il n'y ait aussi pas de surchauffe, hein. Ça, on n'est pas à l'abri non plus. Donc aujourd'hui, ce que Sir Purin va faire, alors déjà il s'est habillé classe, parce qu'il va faire quelque chose de classe, il va visiter des petits villages. Bon d'accord, je sais pas si c'est vraiment classe. Mais bon, déjà il y a un petit village qui est situé au sud de Corolle, qui est rajouté avec le mode que je viens d'installer. Donc on va aller explorer au sud de Corolle. Donc, lié à ce mode, il y a visiblement 6 quêtes. D'après le descriptif, il y a une demi-heure de jeu. Donc, bon, ce sera peut-être une demi-heure, un petit peu plus d'une demi-heure, peut-être trois quarts d'heure à la rigueur. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, le but de Sir Purin, c'est donc de non seulement faire les quêtes, mais une fois qu'il aura terminé de rendre service aux gens, bah, il va les tuer. Hein. Sir Purin, il est comme ça, il rend service aux gens mais il les tue après quand il est lassé, c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Alors on est parti. Avec Sir Purin c'est toujours l'anarchie totale de toute façon. Donc un petit truc que je regrette c'est que contrairement à la plupart des modes, le marqueur n'est pas aussitôt rajouté. Donc je suis obligé d'aller chercher manuellement le village. Et c'est un petit peu emmerdant. Et en plus, je suis machinalement le marqueur, mais je sais pas... Enfin, oui, ça indique plutôt Gvatch. Bon, de toute façon, le village est dans la direction de Gvatch, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Ce qu'il y a, c'est que, aussi, du coup, je vais devoir aller regarder à chaque fois dans le descriptif du mod. De manière à pouvoir savoir le lieu précis où se trouve chaque village. Pour éviter les soucis. Donc en graphisme très élevé, je n'ai pas pu me mettre en mode fenêtré. Ce qui évitera au passage les retours Windows. Mais... Ah bah je crois que c'est ça, hein, parce que j'avais jamais vu un truc comme ça avant. Mais bon, si ça peut vous offrir une qualité supérieure, hein, je suis pas contre. Pour le moment, on n'a pas de souci de lag. Il n'y a rien à noter. Donc c'est plutôt cool. Tiens, il y a un cucu. Ah, à mort le cucu. Ah merde, c'est du contact. Dans le cul le cucu. Voilà. Bon. Alors, on va visiter ce village. Qui s'appelle Fort Turjac. Il y a des gardes impériaux, manifestement. Je vous salue, bon citoyen. Je vous salue, citoyen. Je parle au nom de l'empereur. Ou au moins, je le faisais. Intéressant. Adieu. Bon, voyons voir. Bon, je suppose qu'il n'y a rien de spécial, hein, mais je regarde au cas où, de temps en temps, dans les objets. En même temps, c'est un réflexe. J'ai toujours eu ce réflexe de fouiller partout. Bout de papier froissé. Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose d'intéressant. Ouais, bof. Donc, oui, ça c'était la ferme de Turjac, ou c'est juste une ferme, rien à branler. Tiens, salut toi. Bonjour, citoyen. Ouais, bof. Soyez prudent, le danger est partout. Ah, d'accord, il y a une cage avec un puma dedans. Intéressant ça. Je pourrais le lâcher sur les soldats un de ces jours. Tiens, toi, tu m'as l'air intéressant. Tisedo Urgeli, capitaine des gardes. Il est 10h du matin et tout va bien. Comment allez-vous, monsieur ? Ah, mais je vais très bien. L'empereur est mort. On s'en fout. Donc, potion de maladie. Donc, je suppose que c'est la première quête. Nous sommes en rupture de stock
en potion de guérison de maladie à Fort Urjac. Je crois qu'il y a un mage alchimiste à Béram. Il a déjà travaillé pour l'Empire auparavant. Voudriez-vous lui demander quelques potions? Je vais le trouver pour vous. Bien. J'ai dit que le sorcier vivait à Béram. Je suis sûr que vous n'aurez pas de problème à le trouver. Dégagez! Oh, alors ça me plaît pas, ça. Je vais continuer à visiter un petit peu le fort Turjac pendant que j'y suis. Que je vois un petit peu ce que ça donne. Ok, donc ça c'est juste les chambres des gardes. Donc 4 chambres, je suppose, qu'il n'y en aura pas plus. Le niveau inférieur. Donc ici c'est la salle d'entraînement des gardes. Salle à manger également. Je suis tout ouïe, citoyen. Le Bonjour. prêtre Fendé, je sais pas comment ça se prononce. Oui. Les crabes de vase? Ouais, les crabes de base. À bientôt. D'accord, j'ai pas tout compris, mais d'accord. Des fois, ça cache des trucs, ça. Il y a, genre, par exemple, je sais plus dans quel fort de quelle ville, mais à un moment, on tire sur un truc comme ça et ça ouvre un passage. Donc des fois, il faut regarder, on sait jamais. Le créateur du mode peut s'être amusé. Rien n'est impossible pour Sir Purin. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est encore des chambres, mais je pense qu'elles sont un tout petit peu plus classe. C'est peut-être. Ah, il y a une prison Oui. aussi. Alonsus. Oui. La partie occidentale de Le Sirodi. club de Sucrelune, on s'en fout. Bonne journée. Là, il y a une autre prison. Cachot. Donc encore plus en profondeur. J'imagine que c'est encore pire ici. Oula. Poussez de votre côté! J'attends. Allez, importunez quelqu'un d'autre. Putain, c'est chaud ça. Ouais, j'imagine que les gens, ils sont, enfin les gens qui ont fait des grosses conneries, ils sont jetés au cachot et ils sont obligés de dormir dans cette espèce de grotte, pas très confortable du tout, avec des rats et un gobelin en plus, qui risque de te faire buter en plus. Ouais, c'est génial. Bon, allez. En tout cas, on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait ici. Donc, vas-y. Je vais aller dans cette baraque là, la maison de Homge. Ils ont des noms bizarres dans ce petit village. Ils peuvent pas avoir des noms plus simples. D'accord. Je suppose que c'est une boutique, mais il n'y a pas le propriétaire. Taverne de Lupo. Que puis-je pour vous? Prenez soin de vous. Oui. Oui. À bientôt. Poursuivez, je vous prie. Gérard Jugnot. Au revoir. Poursuivez, je vous prie. Vous cherchez quelque chose à manger? Et quelque chose à boire pour la... Ouais. Au revoir. Bon, la taverne. Enfin, oui, c'est une taverne. Taverne auberge. Ouais, c'est un peu le skin classique qu'on a dans les tavernes ou auberges. Attendez. Bon, je vais juste voir s'il n'y avait pas une trappe ici. Suis tout ouïe, Comme dans citoyen. l'auberge du mauvais présage. C'est vraiment petit, un empêche ici. Je vous salue, bon citoyen. Que puis-je pour Ah, il y vous? a quelque chose par ici. Bonjour. Que puis-je pour vous? Pas du tout. Prenez soin de vous. Oui. La connaissance est synonyme de pouvoir. Ouais, mais j'en ai rien à branler. Vous aussi. Maison de Forok. Ok.
Ah. Que puis-je pour vous? Bon. Bonne journée. Bon, on va se concentrer sur la quête que l'autre m'a donnée, là. Donc, la quête, c'est potion de soin. Fort Urgek a besoin de potion de soin. Faut que j'aille à Béram. Donc, je pense que Béram, c'est l'un des villages qui a été rajouté. Mais je crois qu'il y en a un autre par ici aussi. Donc, finalement, peut-être que les quêtes étant liées les unes par rapport aux autres, une fois qu'on a trouvé l'un des villages, les autres nous sont accessibles. Donc peut-être que je vais avoir une autre quête qui va me permettre d'aller à l'autre village et à ce moment-là, j'aurai pas besoin de faire de coupure pour aller les chercher. Donc voilà, je suis arrivé à Béram. Donc ça, c'est normalement un village rajouté, hein. Je crois qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ah putain, ça c'est une cheminée je crois à la base. Ils ont mis ça dans le sol pour en faire un... Bon après-midi. Qu'est-ce que vous avez quoi. J'ai entendu dire qu'il y a... Que voulez-vous? Qu'est-ce que ça sent? J'espérais que vous ne me le demanderiez... J'espérais que vous me le demanderiez, ça m'a rendu complètement fou. C'est un sorcier qui a loué le sous-sol de Timothée, il est là depuis quelques semaines, et depuis nous avons des odeurs et des bruits étranges. Vous devez chercher tout seul, je ne veux rien avoir avec cette affaire. C'est vraiment horrible, mais j'ai trop peur pour aller là-bas. D'accord. Poursuivez. Poursuivez. Qu'est-ce que vous vendez ici? Notre village vend du fromage aux voyageurs, mais nous avons eu peu de clients ces derniers temps. Nous avons besoin d'une plus grande demande. Pourriez-vous nous aider à trouver plus de clients qui achèteraient notre fromage? Je vous aiderai à trouver un acheteur. Merci monsieur. J'imagine que le meilleur endroit pour commencer est Cheddin Hall. Peut-être que vous en trouverez dans les tavernes là-bas. Ne vous ai-je pas parlé de fromage? Moi, je regarde toujours des fois qu'il dirait un truc intéressant. J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil, au prix les plus compétitifs. Du fromage. Sir Purin aime le fromage. Sir Purin est un bon acheteur de fromage. Revenez quand vous voudrez. Je peux réparer tout ce que vous... Prenez soin de vous. Ah, du fromage. Et voilà. Sir Purin vient de manger 40 morceaux de fromage. Ça déconne pas. Donc, est-ce que j'ai visité cette baraque? Je crois pas. Maison de Timothée. Salut bon, Timothée. Que voulez-vous? Qu'est-ce que ça sent? Ça vient du sous-sol de Timothée, mais c'est toi Timothée. Adieu. Comment allez-vous? Poursuivez, je vous prie. Arnora. S'il vous plaît, descendez au sous-sol et trouvez ce que fait le sorcier. L'odeur est insupportable. Bonjour. Alors, comment on descend à ton sous-sol, Timothée? Au pire, je regarde sur la carte. Là, c'est peut-être par rapport à... par l'extérieur, en fait. Ouais. On va aller voir. Là, ici. Bah, il y a du fromage. Des potions, de la bière. Non, et c'est bon. Pourquoi je me fais chier? Voilà. Hop. Et ça donne sur une grotte, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, lui, comme alchimie, Telindil? Poursuivez, je vous prie. Potion de guérison de maladie. Désolé, je voudrais vous donner des potions, mais j'ai perdu mon mortier et mon pilon. Si vous le retrouvez, je vous fabriquerai les potions. Je crois que mon ami Hadas me l'a pris pour me faire une farce. Allez lui parler au village de Storlien. Quand vous m'aurez ramené mon mortier et mon pilon, je vous ferai ces potions. D'accord. Bonne journée. Que puis-je... Et je pense que ça explique pourquoi il y a une odeur bizarre. Mais il en a un mortier et un pilon, n'importe quoi.
Ouais, enfin l'odeur est bizarre et sûrement due à ça, je pense. Et pourtant il a pris ses précautions. Enfin, je veux dire, il fait ça dans une grotte au lieu de faire ça directement dans le sous-sol. Enfin, en tout cas, c'est... Comment allez-vous? Toujours ça de fait. Bois noir n'est pas si terrible que ça. Donc la maison de Tilmo. Et vous? Salut. Salut Agatha. Que puis-je pour vous? Donc rien d'intéressant. Bonjour. Putain, les maisons, c'est des taudis ici. C'est vraiment tout petit. C'est quoi Comment ça? ça va? Ouais, c'est des pelles. Pas mal. On dit que là. Ouais, c'est vraiment petit. Oh putain, mais il y a du fromage partout. Il faut pas chercher plus loin, hein. C'est votre fromage qui pue. Alors, je crois que j'ai fait le tour au niveau des villes dans le coin. Donc maintenant, si je veux continuer la quête, c'est laquelle c'est qui est activée là? Ah oui, donc mortier et pilon du sorcier. Voilà, c'est bon. Donc j'ai accès au troisième village. Donc il y a trois villages, hein. Je sais pas si j'ai déjà dit qu'il n'y en avait que trois. Mais bon, il y a trois villages dans ce mode et des quêtes associées. Pour le moment, on va se concentrer là-dessus. Salut Marcus Golberus. Que puis-je pour vous? J'ai beaucoup à vous apprendre. Ouais, je m'en fous. Vous aussi. Par contre, j'aime pas quand il fait nuit, donc je vais attendre le jour. Voilà, 9h du matin, c'est bien. Bon, en tout cas, j'espère que... Enfin, je dis ça comme ça, mais j'espère que ce mode rattrapera le gros fail avec Angelina. Parce que c'était chiant. Barre de Gear. Bonjour. Salut Oui? Bruce. À bientôt. Il y a un sous-sol. Bon, c'est quoi tout ça là? C'est juste de la bière. Ok. Salut. Y a-t-il? Comment Qu'est-ce ça que... va? Oui? Guile le contrebandier. Au revoir. Que voulez-vous? Carwin. Adieu. On dirait que l'archipel. Ouais, bon, il n'y a rien d'intéressant dans les tonneaux. Clément. Oui? Adieu. Maison de Clément. Ok. Bon, c'est moins des taudis ici, en tout cas. Mais le village a l'air plus grand aussi. C'est bon à savoir. Bon voyage. Prenez soin de vous. Comment allez-vous? Je me suis déjà... Que voulez-vous? Ah, le mortier et le pilon du sorcier. Je n'ai pas envie de vous en parler. Que puis-je vous offrir? D'accord, il est censé vendre des sorts, mais il n'a pas de sorts. Nous verrons bien. Bon, on va discuter avec lui, histoire de venir son Assez, ami. Vous me faites peur. J'en doute. Inutile. Elle est bien bonne. Donc, plaisantez. Elle est bien... Comme vous voulez. N'essayez pas. J'en doute. J'en doute. C'est une... Comme vous voulez. C'est vraiment ridicule. J'en doute. Oui, c'est vraiment ridicule. J'en doute. Merde, j'ai chié là. Oui. Pas mal. Ne dites pas n'importe quoi. J'en doute. Assez. Ni maintenant, ni plus tard. Oui, inutile. J'en doute. C'est une bonne blague. J'accepte. Ni maintenant. J'en doute. Inutile de... J'en doute. Bien. Assez, vous me faites peur. Ah, t'es chiant. Nous verrons bien. J'apprécie. C'est pour moi? Merci. Bah pourquoi vous vous préoccupez de choses si vaines? J'ai des soucis bien plus importants en ce moment. Si vous m'aidez à résoudre mon problème, je vous apporterai mon aide pour les vôtres. C'est d'accord? Putain, et je... Ils sont chiants, hein. Je suis un gros commis en fait, moi, dans cette quête. C'est d'accord.
Bien, nous avons eu quelques problèmes ici, à Storlien, des vols de récoltes. J'ai essayé de rester debout de nuit pour attraper les voleurs, mais en vain, ils se sont enfuis à chaque fois. Si vous les retrouvez pour moi, je vous aiderai à trouver le mortier et le pilon. Ouais. Ah, Ok, bonjour. gros chien. J'ai visité cette maison déjà. Que voulez-vous? Salut Arvena. Bonjour. Salutations. Que voulez-vous? Rien. Bonjour. Merde. Que voulez-vous? Voyageur. Je hais ces ivrognes de marins essayant toujours de devenir votre ami qui vous demande ensuite à boire. L'un d'eux est passé par ici il y a peu. Il m'a mis en colère, une dispute a éclaté. Rageur, il a alors crié qu'il se vengerait et a disparu. Et un jour, j'ai remarqué que mon épée courte avait disparu. Je sais qu'il l'a prise. Si vous me la retrouvez, je ferai partout vos éloges. Épée courte. Je suis sûr que le marin me l'a volée. Si vous la retrouvez, je vous donnerai quelque chose que vous allez aimer. Je ne me préoccupe plus des voyageurs. C'est les seuls qui arrivent à la main tendue. Et ça, je ne le supporte pas. Au revoir. Comment ça va? Poursuivez, je vous prie. Marin ivre. J'étais avec Bénir toute la journée et je n'ai pas vu ce qui s'est passé avec le marin. Mais je ne blâme pas Bénir pour ce qu'il a fait. Ce marin n'avait pas le droit de nous traiter comme ça. Au revoir. D'accord. Bon, ben, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est je vais aller je vais attendre la nuit et je vais essayer de choper le voleur. Comment allez-vous? Donc, je vais me placer genre par ici. Je pense qu'en hauteur c'est un bon angle pour voir s'il y a un voleur de récolte. Sur le rocher là, ça devrait aller, non? Ah, c'est bien ici, ouais. Je glisse un peu par contre. Donc on va attendre la nuit. Donc 12 heures. Non, 12. Ah putain, voilà. Est-ce que c'est la bonne quête qui est active? Vol de récolte. Vol de récolte. Voilà. Ah, j'ai trouvé. Ah, c'est un ours! Prenez ça! J'ai découvert que le voleur de récolte était seulement un ours plaisantin. Les problèmes sont résolus. Je devrais retourner voir Hadas et lui parler de ce que j'ai trouvé. Pauvre ours. Je vous écoute. On va attendre 12 heures. Il est où le mec là? Il est peut-être dans la maison. Bonjour. Non, il est pas là. Ah, bonjour. Ah, le voilà. J'espère pouvoir vous être utile. Putain, tu fais mal aux yeux, mec.
Le mortier, le pilon du sorcier. Puisque vous m'avez aidé, c'est à mon tour de vous aider, j'allais dire, mais c'est pas écrit. Le mortier et le pilon que vous recherchez, j'essayais de les emprunter pour faire une blague. Pendant que j'essayais de les invoquer, j'étais dérangé par ma femme, et ils ne sont jamais arrivés dans ma maison. J'ai perdu le contact avec quand ils étaient directement au nord d'ici. Vous semblez avoir le goût de l'aventure, ce ne sera pas un problème pour vous de les retrouver. Ouais, bien sûr, oui. Forcément. Marin ivre. Il n'était plus en ville lorsque Beryr a perdu son épée. Désolé. Je ne peux pas plus vous aider. À bientôt. Oui. Bon. Je vais essayer d'interroger les autres personnes tant que je suis là pour savoir un peu plus sur le fameux marin. Qu'y a-t-il ? Aïe. J'ai vu le marin, c'était une nuit sombre et orageuse, j'avais décidé de monter la garde. Je l'ai vu ivre qui boitillait vers un des bateaux qui était amarré ici, à Storlien. Il a détaché le bateau et a commencé à ramer. Les vagues étant violentes, il a été loin, mais le pauvre ne faisait pas le poids face à la tempête. Son bateau s'est cassé et il a coulé. Personne n'a risqué sa vie pour le sauver. Après la tempête, il fut vite oublié. Mais je suis sûr qu'il est toujours là. À bientôt. On en sait un petit peu plus. Je pense que j'irai faire un tour, voir si je trouve un bateau. En attendant... Oui, donc je vais activer la quête, le mortier et le pilon, parce qu'on va continuer avec ça. Donc, au nord, apparemment. Hop. Sir Purin n'a pas de problème pour monter. Ah merde, c'est la porte que j'ai. Ça c'est chiant quand ça fait ça. Bonjour. Voilà, juste pour gagner un peu de temps parce que j'ai pas envie de me faire chier à faire le tour. Et comme c'est Sir Purin, c'est un gros fumien, il n'hésite pas à faire ça. Allez. Hop. Alors, j'imagine que ça va être une grotte ou une connerie du genre. Creux d'écorche-bois. Oh, des ogres. Oh putain. Oh, il est con. Oh, les cons, ils sont forts. Et ils sont nombreux. J'ai rien d'autre à prendre ou... Pourquoi la quête n'avance pas? Sûrement que je tue cette saloperie. Ah mais là j'y arriverai pas, donc on va les killer un par un. Gros cheat, mais c'est pas grave. Ouais, je pense qu'ils sont tous morts. C'est bon, je l'ai récupéré là le truc, hein, donc la quête peut avancer normalement. Là, je comprends pas là. Est-ce qu'il y a un item qui manque ou quelque chose dans le genre? Ça va pas me faire le même coup qu'avec Angelina là, quand même. Oh là 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 là, ça m'énerve. Bon. Ouais. Ouais, donc le but ce serait de le rendre à l'autre là. Donc je vais aller voir le mec à qui je suis censé rendre cet objet. Donc c'est à Beram. Et puis ben, on verra bien si je le récupère.
Pas si j'ai réussi la quête, je veux dire. Allez. Attendez. Je suis pas dans le bon sous-sol là, je crois. Bonjour. Par contre, attention à ne pas manger de solanacée. Ouais. C'est une plante extrêmement vénéneuse. Ouais, voilà, c'est celui-là le bon sous-sol. Poursuivez, je vous prie. Ah, voici vos outils de travail. Vous les avez retrouvés, c'est merveilleux, prenez cette récompense. Ah oui, maintenant que mon mortier et mon pilon fabrication sont un jeu d'enfant, tenez voici, bonne chance dans vos voyages. Ouais. À bientôt. C'est cool. Donc maintenant, il faut que j'aille les ramener à... au village où j'étais au début. Le tout premier village. Donc, celui-ci. Fort Urjac. Et que je donne ça au capitaine de la garde. Qui manifestement doit être en train de dormir. Les ennemis sont proches. Bon, je suis sûr que c'est le puma. Faut que je cherche le capitaine. Il doit pas être bien loin. Ouais. C'est lui. Allez, debout. Vous ? Les gens comme vous, je les connais. Oh, c'est bon, ta gueule. Je te rapporte des potions, alors ferme ta gueule. Vous avez les potions ? Merci, vous pouvez en garder deux. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que Fort Urjac peut se permettre. Ne restez pas là ! Il m'en a laissé trois, là. Bon, bref. Comment ça va ? Tu dors jamais, toi ? J'ai fait ce que j'avais à faire en ce qui concerne cette quête. Donc après, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Je vais sortir, je vais regarder. Donc ensuite, il me reste... donc le marin ivre et le vendeur de fromage. Donc le marin ivre. Donc je pars de Storlien. Donc on va aller voir le bateau qui doit avoir coulé, voilà, par ici. Le ciel est beau. Une chance que ce n'est pas la pleine lune, ça m'emmerderait d'avoir à me transformer. Ah, voilà le bateau. J'ai trouvé l'épée de Beryr dans la veste du marin mort. Je devrais aller le voir pour réclamer ma récompense. À poil. À poil dans l'eau. Sir Purin, il a abîmé sa belle veste juste pour ça. Oui, je crois qu'il habite là, le mec. Ça... Non, 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 relève-toi. J'ai ton épée à te donner. Qu'y a-t-il ? Tiens, ton épée courte. Vous l'avez ?
Merci, prenez ceci, je suis trop vieux maintenant pour explorer quoi que ce soit. Ça vous servira beaucoup plus qu'à moi. C'est une amulette de rappel. Si vous êtes perdu ou en danger, enfilez-la, ça vous téléportera ici à Storlien. Je trouve cela assez pratique. Effectivement. À bientôt. Bon. Maintenant, la quête qui me reste à faire, c'est l'acheteur de fromage de Anton. Ou Anton, je ne sais pas trop comment ça peut se prononcer. C'est à l'extérieur que ça se passe? Juste dehors? Peut-être à l'écurie? Comment allez-vous? C'est peut-être lui. Que puis-je pour vous? Le fromage d'Anton. Un fermier a du fromage à vendre? Bien, je suis dans le marché alimentaire. Amenez-moi un échantillon de fromage d'Anton et je vous dirai. Ouais. Vous aussi. Bon, alors on va aller chercher l'échantillon. Tourner à Storlien. C'est bien à Storlien ou c'est peut-être plutôt à Berlin? Je sais plus du coup, merde. Non, je crois que c'est à Berlin qu'il faut aller. Oui, c'est bien ça. Donc, Oui? Un échantillon de fromage. Vous avez trouvé un acheteur? Bien, voici un échantillon de fromage pour lui. Revenez avec sa réponse. Au revoir. Comment je suis trop incommis? C'est abusé. Il est où l'acheteur? Putain, il faut que je le retrouve. Bon, je pense qu'il est retourné à l'intérieur. Enfin, qu'il est retourné à l'intérieur de la ville. Qu'est-ce que c'est? J'attends. Sale voleur. Je n'ai plus rien à vous dire. Merde. Il y a des gens bizarres qui sont à poil. Il est où l'elfe noir que j'ai vu tout à l'heure là? Bonjour. Bonjour. Putain, mais c'est trop bizarre les gens qui sont habillés en sous-vêtements comme ça. Ah, c'est une assassin elle carrément. Je sais pas où est l'elfe noir, ça me saoule. Je suis tout oui, je vous écoute. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a encore? Les hautes terres coloviennes? Bonjour, Nordique. Ah, bonjour, bonjour. Les gens qui restent plantés là, comme ça, au milieu de nulle part. Comment allez-vous? Bonjour. Oui? À bientôt. Bonjour. Bonjour. Cyrodiil est entouré au nord et à l'est par les imposantes chaînes de montagnes. Bonjour. Putain, fait chier. J'ai pas envie de chercher là. Pourquoi y a pas le marqueur, sérieux? Bonjour. Dépêchez-vous avant que je change d'avis! Non, mais là en plus, j'ai fait un peu le tour du truc. Que puis-je pour vous? Il y a vraiment des gens bizarres en ce moment. La population vivant sur la côte. Bon. Mm-hmm.
Je vais retourner à l'extérieur et je vais aller voir dans l'écurie des fois que ce serait là qu'il bosserait. C'est lui ? Je suis le propriétaire. Non, c'est pas lui. Vous aussi. Il était mieux habillé que ça. Des fois qu'il se serait changé, on sait jamais. Bon, au pire, je vais attendre. C'était durant la nuit, donc. En début de nuit, on va dire. Enfin, en fin de nuit. On va dire, allez, je sais pas, vers 5h du matin. Peut-être que ça passera. Que je le retrouve à cet endroit, quoi. Non, il n'est plus là. Oh, c'est énervant. Je vais retourner en ville, rapidos. Il y aura peut-être moins de monde la nuit. Bon, en espérant qu'il ne soit pas dans une maison et que j'ai pas fouillé toutes les maisons, parce que sinon, bah, je pense que la quête va s'arrêter là. Et Sir Purin va s'adonner à sa tâche favorite. Qui y a-t-il ? Toujours des gens bizarres quand même. Salutations. Bonjour. Aucun maître. Bonjour. Ouais, moi, moi. Non, j'en ai marre. Je vous écoute. Tant pis. Comment allez-vous ? Sir Purin ne finira pas cette quête et... Et il va s'attaquer au village. Sir Purin, on a plein le cul. Voilà, vous avez gagné. Il va anéantir 3 villages. Comment ça va ? Tu veux que je te montre comment ça va ? Oh alors, pas la peine d'avoir recours à la violence. Oh voilà comment ça va. Ils sont durs à tuer, les chevaux. Ah, oh, ils s'enfuient. Bon, on va aller chez les gens et on va les tuer. Salut, Arnora. Ne me faites pas. À l'aide, à l'aide. On m'a... Genre l'autre à main nue quoi. Aïe. Voilà. Bordel. Ah,
Salope. Connasse. Pétasse. Ce pain était moche. Oh, attendez. On va shooter dans le fromage. C'est beaucoup trop rangé tout ça. Ah oui, c'est beaucoup trop rangé. Faut arrêter. À quoi bon ranger tout ça comme ça, hein? Aucun intérêt. Voyons. Autant foutre le bordel. Bon, regardez-moi ça, là. Les étagères complètement rangées, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ah là là. Ah, salut le cheval. Tu viens mourir? Ah bah là, tu l'as cherché, je suis désolé. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit bizarre. Bon, il reste l'autre con là à les tuer. Mais enfin, c'est beaucoup trop rangé. Ah, c'est mieux comme ça. Ça, c'est ma clé. Espèce de sale pickpocket. Comment osez-vous me voler? À l'aide! À l'aide! À l'aide! Yeah! T'es où? Il est où, ce connard? Putain, il a utilisé le sort d'invisibilité. Tu crois que tu vas t'en sortir? Espèce de sale pickpocket. Oh. Ah. Crève. Merde, il peut pas mourir. Tu vas voir, toi. Tu vas voir. Petit enfoiré. Ah oui, ce Death Note, il est avec des pages. Ah oui, mais non, mais comme j'ai cloné le Death Note, du coup il bug. Putain, t'as de la chance. Toi, tu vas survivre. T'as vraiment du cul. Hein. Vraiment. Bon. Bah, j'en ai fini avec ce village de merde. Donc, on va passer au village de merde suivant. Storlien. Bonjour. Putain, il y a trop de gens là partant. Ah, garde, on attaque quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est? Tu vas où là? Ah, salope. T'es morte. C'est trop rangé. Beaucoup trop. Je vous en prie. Ah ah. Voilà.
qui c'est qui commande. Alors... Voilà. À l'attaque, les ours. Allez, butez-moi ces crétins. Quel est le problème ? Vous fatiguez ? Meurs, vermine ! C'est terminé. C'est excellent. Bon, apparemment il n'y a pas assez d'ours parce que visiblement ils n'arrivent pas à tuer les gens, donc on va être obligé d'en rajouter quelques-uns. Hein. Je pense que vous êtes tous d'accord. C'est pas démesuré du tout. C'est magnifique, franchement. Et je vois même qu'avec les graphismes élevés, même en ayant créé autant d'ours, j'ai pas de lag du tout, donc c'est plutôt bon signe. Bon, par contre, ils arrivent vraiment pas à tuer... Non, y a pas moyen, ils arrivent pas à tuer les gens, quoi. Je veux aider des ours, hein, j'ai pas le choix. Non, non, t'es pas de mon côté. Je suis avec les ours. Ah bon? T'es sûr? C'est que les ours ils m'enlèvent rien en fait. Laissez-moi partir, bande d'enculés d'ours. Putain, j'arrive pas à me barrer. Mais c'est bizarre, ces ours ils enlèvent rien. Ils nous tuent pas. Fatigué ? Vous ne m'aurez jamais. Ah ouais ? Ah ouais, c'est sûr ? Ah putain, c'est encore un mec important qui peut pas mourir. Oh, dégagez, arrêtez de faire blocus les ours. Vous allez mourir. Ah ! On va aller au bar de Guillard en attendant. On va l'enguirlander. Non, attendez. Yeah. Voilà. Ça c'est réglé. Ok, donc y a rien d'intéressant ici. Oh la vache. Bon, j'imagine que je peux pas faire de voyage rapide avec tous ces ennemis. C'est mort.
Je vous ai aidé, les gars. Oh, t'es trop mignon. Tu veux une caresse? Ah non, apparemment, il veut pas une caresse. Casse-toi. Moi aussi, je me casse. Alors là, c'est jouer avec les ours pour l'instant. Donc faut que je m'éloigne un petit peu, juste histoire de pouvoir faire un voyage rapide. Voilà, parce que là, pour l'instant, visiblement, je suis encore trop près des ours. Donc est-ce que je peux faire un voyage? Non, toujours pas. Ça va peut-être durer un certain temps avant que je puisse. Puis en même temps, il y a peut-être des poissons dans l'eau, des poissons carnassiers, donc... peut-être qu'il vaut mieux que j'essaie d'aller, je sais pas... Bérir a perdu conscience. Si je vais à l'intérieur d'un fort, par exemple, peut-être que ça va annuler les combats et ces trucs-là. Ouais, c'est bon, je suis peut-être assez éloigné, en fait. Ah non. Ah bah oui, voyage rapide impossible depuis ce lieu, c'est normal, je crois que c'est... En fait, c'est un endroit, on y va avec une quête pour libérer un mec qui a été emprisonné par un collecteur de dettes ou je ne sais trop quoi. Et en fait, il nous fait participer à un jeu... où on nous envoie des bandits, des monstres... Non, je crois que c'est des bandits. Je crois que c'est un truc de chasse, en fait, et c'est des bandits qui essaient de nous chasser pour rigoler, quoi. Enfin, c'est un jeu pour eux. Et nous, faut qu'on essaie de survivre avec rien, en fait, je crois, à la base. Puis après, on trouve des armes, et puis voilà, enfin... Bon, allez, on va attaquer le fort Turjek. Pour terminer... Gentil chat, gentil chat. Mais il est gentil le chat. Il est gentil le chat, hein? Il est gentil. Ils sont gentils les chats, ils sont gentils. Oh la vache. Mais c'est qu'ils se battent entre eux, les chats. C'est con, un chat. Ah, ils se battent entre eux. D'accord. On va avoir plein de cadavres de puma. Bon, bah c'est pas les meilleurs ennemis, du coup, hein. Bon allez, je vais aller tuer tout le monde. De fuir, salope, tu vas mourir. Putain, ça me saoule ça, les gens qui fuient comme ça. Bon, le cheval, tu commences à me saouler. Voilà. Y'a quelqu'un?
Non, y'a personne. Et ici, y'a quelqu'un. Bah non, j'y suis déjà allé. C'était censé m'impressionner. Ah bah ça y est, les gardes s'y sont mis. Merde, ils m'ont coincé. Laissez-moi sortir. Merde, j'ai plus d'armes. Ah yeah yeah. Je suis de votre côté. T'es pas de mon côté, non. Ah hop. Oh putain, je porte trop de charge. Fais chier. Hop, non, ça, je peux garder ça, ça sert à rien. Voilà. Foutez-moi la paix. Saloperie de chat. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire... Quelqu'un s'est fait assassiner. Eh bien, qu'avons-nous donc là, hein? Pris la main. Alors, vous paierez de votre sang. Eh ben j'attends que ça, mon grand, j'attends que ça. Ouah ! Prenez ça. Attendez, vous cherchez la merde, là ? Kagebunshin no jutsu ! Voilà qui règle le problème. J'ai intérêt à me foutre en TGM parce qu'il suffit que Sir Purin jette un sort gros bill et je suis mort. Attention. Oh le lag. Je préfère te faire une telle chose. N'approchez pas. Attention. Bah voilà. Je suis de sa femme. Et bah voilà. Non mais oh. Bon, est-ce que j'ai pas été encore? Fous-moi la paix, le chien. Est-ce que j'ai été ici? Je crois pas. Voilà, ça c'est réglé. Bon bah maintenant on va aller attaquer la caserne. Voilà. Vous osez enfreindre la loi sous mes yeux? Ouais, j'ose. Et alors? Je suppose qu'il est invincible celui-là. T'es censé m'impressionner. Voilà. Oh,
Oh putain, fait chier. Bon, je pense pas qu'il reste grand chose à faire de toute façon. Voilà, t'es mort. Ah, il y avait peut-être une quête par rapport à lui. Je suis de votre côté. Non, c'est faux. Bon, bah voilà. Ben, on peut dire que j'ai terminé mon massacre. J'ai tué toutes les personnes qui pouvaient être tuées normalement. À moins qu'il y en ait qui m'aient échappé, ce qui est possible, mais bon, dans l'ensemble. Eh bien, ah, ta gueule, toi. Donc, nous allons terminer. Nous allons terminer cette. Cette vidéo sur un petit truc sympatoche. Donc, ouais, il y a une petite baston entre. Entre cire purin et. Enfin, une armée de cire purin contre une armée de puma. Voilà. Une armée de cire purin contre une armée de puma. Oh putain, ils ont activé leurs torches. Alors là, c'est le bordel. C'est ça qui fait le plus laguer. C'est les torches. Attention! Les effets de lumière, c'est jamais très bon. Ah, j'arrive pas à me placer sur le toit pour regarder bien. Je glisse. Non, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils sont en train de tuer les chevaux? Ah ouais, ils sont en train de tuer les chevaux. Bon, en tout cas, c'est sur cette magnifique vision d'une armée de cire purin contre un cheval et un puma que nous allons nous quitter. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cire Purin en vadrouille.